Ah oui, bah tu te mouilles, non, on va pas parler de ça parce qu'il fait beau. Hein. C'est vrai que tu te mouilles, c'est super. La première fois qu'il monte dans les repérages, avec une voiture comme ça, vous aimez bien aller voir mouiller dans les épreuves. C'est un moteur Renault. Ça doit être la Dallara. Là, ça doit être une Dallara, ça m'entend. Le 124. Pascal Van Dourg. Pascal, on va... N avec moi, avec son chapeau de paille. Norbert Hugues va courir en championnat de France l'année prochaine de Saint-Servant et de Guy, juste en bas de la ville, en Basseville, un lieu super bien. Aller chez lui, faire des achats en matériau déco avec un choix extérieur, un peu un voyage, un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Il va nous faire la suite directement. Une partie de Kili, plus de Kili bien sûr, et on regarde avec beaucoup d'attention, avec des commentaires qui vont suivre de notre spécialiste. Merci pour le... Peut-être que vous avez d'autres, bien sûr, rendez-vous, je vous comprends, et peut-être que vous ferez un petit tour, parce que ça nous ferait plaisir de vous entendre chanter en breton. Il paraît que vous chantez très bien en breton. Ah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Et Michel David, donc maintenant encore une Alfa Romeo, magnifique Alfa. Ça doit être... J'ai pas tous les noms. Celtic Sport Auto est avec nous également. Un homme chevronné qui pilote des voitures Citroën également. Voilà. En parlant de Citroën, il y a une Peugeot qui va passer devant nous, une 205 GTI. Damien Tessier, donc les prétendants au SCAC. Jean-Christophe Henry, voilà, avec sa Status. En groupe CN, on aura Freddy Cadeau qui avait remporté l'épreuve ici l'année dernière. Antoine avec sa 306. On aura aussi Lionel Lemantec. Je continue en groupe 1, on aura Jacques Kachenko, Christian et Marie-Thérèse Berthaud, Philippe Lorigo aussi. En groupe F. Egan, Philippe Le Payet, Vincent Bossard, C2, Philippe Bolivar, et Lionel Lilien Plateau. Une Alpine A310 qui arrive devant nous. Alpine A310 de Philippe Daniel, je suppose. Une Alpine A310 qu'on a pu. On attend avec impatience. Ah non, c'est pas tout faux. C'est une. C'est une Porsche 124. Pascal Van Tourde qui vient de Carré. De l'écurie Celtic, circuit et des montées historiques. Allez, on continue avec une autre. Encore une Porsche 924. Allez, on continue avec des Lotus maintenant.
du Seven, Bernard Baudet. Et les chutants de chaque groupe, de chaque classe. Allez, on continue avec une autre voiture anglaise. Encore une Lotus. Caterham. Non, c'est pas celle-ci. C'est Marc Perron qui arrive devant nous, là, c'est la Matra Baudet. Pour le Grand Critérium de Camor. Allez. Jean-Claude Crène, sur la Caterham, il est passé devant nous. Alors n'oubliez pas pour ce soir le repas, on peut toujours s'inscrire. C'est celle-ci. C'est aussi qui est un compresseur. Vous avez entendu? Oui, oui. SIF. SIF. Hier pour ce soir. Un petit prix vous est demandé pour la participation. Sur la Orion, un jeune retraité. Bien sûr que la sécurité soit optimum du côté du centre-bourg et notamment là où il y a des murets et autres. Bon, il y a plus de risques qui suscitent l'alimentation. Un peu moins tout à l'heure. Dans l'art de Gavray. Et c'est aussi dans sa tour de côte. Ça doit être Jean-Marc Maillet qui vient de passer devant nous. Gavray, où habite tout à coup. Le winning. Il est en combien là? Il est en première, en deuxième? Non, il est en combien là? En première? Deuxième? Il est en deuxième. En deuxième, c'est ça. Mais bon, déjà, il triche un petit peu parce que de base, il a toujours le ralenti qui est branché. Allez, on applaudit, on lève les mains autrement. Ça se voit un petit peu. 180, 200 kilos, je sais pas. Ouais, oh là là, debout sur la moto, alors là, on peut l'applaudir. Super. Bravo, allez, on lève les bras. Il est sur le bidon, non, sur le, pas sur le bidon, mais sur le réservoir. Allez, on applaudit. Super. Génial. Eh oui, super. Ouais, super. Génial. Merci Ricardo. Alors Dieu, à la fin des montées historiques. Oui, cher public, à la fin des montées historiques voitures. Super, on applaudit, bravo Ricardo. J'ai l'impression qu'ils applaudissent plus à droite là-bas qu'en haut ici à gauche. Oui, à gauche, ils sont très timides. Hein. Allez, on va faire un concours. Celui qui applaudit à gauche, vous allez applaudir maintenant tout à l'heure. Vas-y, toi, il va revenir. Demain, 3 ou 4 passages. Dans la journée. D'accord. Ah, ouais. Voilà. Oh là, ça y est, il va nous burner. C'est ça le burn. Oui.
Vous le rendez encore un peu timide, hein. Je pense qu'il vous entend pas assez. Hein. Voilà, allez. Alors là, on peut l'applaudir, hein, vraiment. Bon, il y a la douche, hein, de quoi d'achever. Bravo à lui, on l'applaudit encore. Magnifique, Ricardo. On applaudit. Allez, énervez-le un petit peu là. Il est encore timide. Il faut l'énerver. Surtout là-haut, la bouche. Alors là, il est timide. La tronçonneuse, bien sûr. Il y a un spectateur qui demandait tout à l'heure combien de casse-moteurs dans l'année. Eh ben, on arrive à faire quasi aucune casse-moteur, c'est très rare. Oh ouais. Mais bon, faut dire que là, les motos, elles ont été vérifiées avant qu'on vienne et elles seront revérifiées dès qu'ils vont rentrer au Portugal. D'accord, c'est vrai que ce sont des moteurs, il doit y avoir des cloisons. Voilà, et surtout, c'est qu'il a un bon mécano. Oui. Et voilà. Et on est parti. Incroyable, incroyable, la première fois. Première fois. C'est une vraie sensue. Et Loïc rejoint le micro. Alors, première fois aussi pour toi que tu vois ça. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Oh, viens, viens, voir ça. Ah ouais, franchement, chapeau. Ah ouais. Oh, ouais. N'arrache pas les talus de Kili, parce que ça marche pas pensé. N'arrache pas de Il veut monter avec lui là. Ouais, encore. Allez, allez. Ah bah. Allez, allez. Volontaire pour monter, ça se mérite. Hein. Ce sera à celui qui fait le plus de bruit. Hein. Là, il bouffe pas de pneus là. Encore, allez, allez. On en veut d'autres. Vous en voulez plus? Allez. Oh non. Il est vraiment phénoménal. Ça va. Oh, voilà.
qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Lucas, son accompagnateur. On l'applaudit. On l'applaudit. Allez, applaudis. Mais dis-moi, le biplace, il est pas là, il est derrière nous. Bon, là, il est derrière, il est pas devant. Ah ouais, on avait retiré un petit peu. Allez, on l'applaudit. Encore une fois. Alors le concept, c'est que Ricardo va lui donner mal à la tête. Donc plus vous faites du bruit, plus il va devenir fou et plus Lucas aura mal à la tête. Ok. Ouais, on applaudit. Oh là 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 là. Ça y est, on est chaud. C'est bon. Allez, allez, on applaudit. Surprise après. Allez, on vous entend pas ici. C'est vrai que si on vous entend pas beaucoup, hein. Oh bah ça y est, il a perdu le froid. Il est où? Reviens. Je crois que t'as perdu Lucas en chemin. Allez, allez, on va un petit peu, on va le faire. Tu vas venir sur moi? Sur une roue peut-être bien, non? C'est pas là? Ah, il faut l'encourager bien bien fort si vous voulez une seule roue. Oh, on l'applaudit s'il vous plaît.
facile de se garer. Boîte séquentielle, bien sûr. C'est un moteur Hayabusa 1340 turbo. Et comment il a fait tourner là-bas? Comment il a fait la tournée, mais il n'a pas fait de marche. Il n'a pas fait de marche arrière. Ah non, du coup, il n'y a pas la marche arrière. Donc, propulsé par un Hayabusa, 450 chevaux dans la petite Spark. Ah, ah oui, là, on les entend, là. Ah, ah, ah oui, là, ils sont là. Oh, voilà. J'arrive doucement et c'est chaud. Ouais, je suis désolée, du coup, ça fait un peu de fumée, un peu de poussière, un peu de bruit. Non, 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 on est là pour ça. Et vous avez pas peur, vous? On applaudit l'armée, s'il vous plaît. Ah, le monsieur qui est en noir, vous êtes un spectateur d'ici? Ah, il a applaudi tellement fort qu'il a mérité de rentrer sur la piste. Ah bah oui. Voilà. Qui est dans la voiture, qui encadre le pilote, est un encadreur pour les encadrements du cours. La croix blanche, la cour. Ok, super. Voilà. Génial. Alors, attendez, s'il vous plaît. Bon, bah, votre promenade, Lucas. Oh. Ah oui, je vous avais pas dit, la marche aussi, elle fait des stoppies. Il a ah ouais. Un frein à main hydraulique. Ah, il n'y a pas de marche arrière, non, c'est vrai. Ah, il faut aller pousser. C'est bizarre, la ceinture, il l'a mis à l'extérieur. Ah bah, on veut rien. Toujours protéger, un bon motard est toujours protégé. Alors, applaudis, ouais. Alors, applaudis, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, à la fin du spectacle, on vous invite à venir me voir au stand. Voilà. Jeter un coup d'œil sur nos machines, essayer de trouver des petites astuces qu'on met sur nos véhicules pour pas que la Smart se retourne, notamment. Et puis on se retrouve très très nombreux à 18h30 pour le deuxième passage. Bien. On vous donnera encore plus, bien sûr. Et bien entendu, on rentre chez vous, n'essayez pas de faire ça. Ah oui, je ne pas ça chez vous. Super. Il faut pas
portières sont ouvertes, c'est pour enlever la poussée. Son... Ah, ah ouais. Ils sont en forme, madame. Elle a compris, on est pris. Les portières étant ouvertes, ça fait ventilateur, ça disperse la poussée. Il fait comprendre qu'il faut qu'il passe par-dessus. Voilà. Rien ah. Trop grand, tant pis. Bah, il aura une tête en moins, d'ici 5 minutes, c'est pas très grave. Allez, allez, là, il a une tête, il ne s'entend pas, là. Alors là, ça y est, hein, pour mon avis... Continuez à le motiver un petit peu pour moi. Allez, on l'applaudit, là. C'est con, les gars, ils avaient des belles godasses, mais... Allez, c'est parti. Eh ben non. Eh ben non. Faut qu'il va vite. Wow. Super. Hop là, allons. Est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on en fait une autre? On essaie plus haut et plus loin. Faut qu'il y en ait qui en plus haut, et c'est ça qui finit.